ça y est, on est le lendemain du tournage. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, ça y est, il fait nuit. Et en plus, bonne nouvelle, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Donc, on va pouvoir passer à l'extérieur. Avant tout, comme je vous avais promis, je vais vous faire voir la signature lumineuse, l'ambiance lumineuse à bord de ce véhicule de nuit. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Et donc là, on va simuler qu'on rentre dans le car comme si on était des clients. Donc, déjà, on peut regarder. Bon, il y a une partie du bandeau lumineux qui est un petit peu abîmée. Mais sinon, vous voyez le logo Volvo qui est éclairé. Ça fait très, très beau avec les bandes bleues. Regardez l'ambiance déjà à bord. Moi, je trouve ça vraiment somptueux. Et là, vous allez voir. Voilà, donc ambiance bleue. Donc, on a de la LED qui vient sur le bas, qui court tout le long de l'allée centrale. Et on a à nouveau de la LED bleue qui est cachée en haut. C'est vraiment somptueux, c'est magnifique. Je pense que c'est l'une des ambiances lumineuses les plus jolies que j'ai pu voir dans un autocar. Vraiment très chouette. Donc voilà pour ce qui concerne de l'ambiance à bord. Alors on peut aussi mettre de la lumière blanche. Bon, c'est plus gênant pour conduire. Donc en général, on met ces lumières bleues. Et sachez aussi que lorsqu'on va fermer la porte, parce que souvenez-vous, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Souvenez-vous, sur les touches, là on a le mode auto. On a deux modes auto, celui-ci et celui-ci. Ce qui veut dire que ce mode auto, lorsqu'on va fermer la porte, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, la porte se ferme. Et on a toute la partie avant, que ce soit sur le bas comme sur le haut, toute la partie avant qui va s'éteindre. Moi, j'éteins les lumières pour les clients, les liseuses. Et nous voici dans l'ambiance lorsqu'on roule. Donc ça fait vraiment full bleu à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Bon, on a assez perdu de temps avec donc cet intérieur. Juste deux petites choses encore avant d'aller dehors. Hier, j'ai oublié de vous parler de deux petites bricoles qui se trouvent dans ce véhicule. On a ici un bouton qui est tout simplement pour fermer la porte. Comme ça, on n'est pas embêté à remettre le contact. Lorsque le car est coupé, qu'on est à l'intérieur, qu'on veut fermer la porte, on n'est pas obligé de remettre le contact pour fermer. On a juste cette touche à utiliser. Et puis une deuxième curiosité, hein, je vais faire très rapide. Au niveau des pédaliers, donc là ça va être vraiment un peu compliqué avec le sombre. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, mais ouais, non, là c'est au max. En fait, vous savez que c'est une boîte auto. Bon, là vraiment on verra pas, ça sert à rien que je vous montre plus. Mais vous savez que c'est une boîte auto, donc pas de pédale d'embrayage. Et en fait, Volvo, ils ont trouvé l'idée de mettre à la place de la pédale d'embrayage une vraie pédale, mais qui sert à régler le volant. Plutôt que de toucher une petite touche quelque part ou dévisser quelque chose, on a juste à appuyer sur cette pédale et le volant après est amovible, donc on peut le régler à notre guise. Allez, on passe à l'extérieur tout de suite. Allez, donc avant de parler un petit peu de l'esthétique de ce véhicule, je vous montre d'abord le moteur vert. Voilà, c'est les couleurs des moteurs Volvo, à ce qui paraît, voilà, on m'a dit ça. Donc voilà, un moteur, donc je le répète, de 11 litres de cylindrée, si j'ai pas fait d'erreur dans mes recherches, et de 460 chevaux, le moteur le plus puissant disponible sur les Volvo 9700. Voilà, et donc... je vous laisse admirer un petit peu la mécanique avec des éclairages à l'intérieur du compartiment moteur, ce qui est très pratique lorsqu'on travaille et qu'il fait sombre. Donc voilà, et juste en dessous, veuillez admirer nos nouveaux cache-plaques. Donc on a celui-ci, un autre qui est à l'avant, que vous allez voir après, qui est un peu plus traditionnel. Voilà, donc celui-ci a un nouveau design que j'aime plutôt bien, je suis assez content du travail. Donc voilà, vous retrouverez ça sur nos futures vidéos et sur les rassos que nous organisons, René et moi, à peu près tous les deux ou trois mois. D'ailleurs, en parlant de rassos, allez sur le groupe RFLJ Club Auto 04. C'est là où on organise les rassemblements, les balades, etc. C'est sur Facebook, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à y aller. Allez, donc c'est parti pour maintenant enfin la présentation extérieure de ce Volvo 9700 de 4e génération. Donc la génération actuelle, je le rappelle. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tour comme ça. Donc je rappelle que Volvo est une marque suédoise et il me semble que ces cars sont fabriqués en Pologne, si je dis pas de bêtises. Donc on va commencer par cette partie latérale.
Après, on ira faire la face avant, puis on passera à l'arrière. Et puis, je pense qu'on aura assez fait le tour. Donc, le latéral. Alors, j'espère que vous voyez assez bien, hein, de nuit. C'est sûr, ça rend moins bien que de jour, mais bon, je pense que c'est assez bien éclairé. Donc, un quart qui fait 13 mètres 10. Bon, un latéral assez classique, je trouve. Sauf sur quand on arrive sur l'avant et sur l'arrière, parce que bah, c'est la continuité de la face avant et de la face arrière qui sont assez originales. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce latéral. C'est quelque chose qui est assez ressemblant à ce qu'on trouve sur d'autres véhicules, d'autres autocars. À part que on voit la clim qui fait, qui prend une assez grande partie du haut de ce véhicule. Et cette clim-là est prolongée avec la petite bosse que vous retrouverez sur la face avant, juste sur le dessus de la face avant. Donc ça, c'est un trait de design qu'ils ont intégré pour pouvoir prolonger cette clim. Et puis voilà, après sur le latéral, je vous laisse regarder un petit peu, mais franchement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. On a trois soutes. Ça, tenez, allez, puisque j'ai rien à dire, je vais quand même trouver quelque chose à dire. On va regarder directement les soutes. Donc voilà, trois belles soutes de ce côté. Celle-ci est un peu plus grande que les autres et donne l'autre côté. J'appelle ça la soute conducteur de l'autre côté. On ira la voir après. Et ici, ensuite, on a deux soutes un peu plus traditionnelles avec ici la bordure pour loger la plateforme PMR, comme je vous en avais parlé. On a ici de chaque côté, on a pour de quoi remplir le carburant, deux trappes à carburant. Et ici, on a la trappe d'AdBlue. Voilà, donc avec le bouchon d'AdBlue qui se trouve dedans, bon, on le voit pas très bien, mais l'AdBlue se fait uniquement ici, alors que le carburant se fait des deux côtés du véhicule. Et donc là, on est sur la partie, je pense, la plus intéressante du véhicule. Donc, comme je vous parlais hier, quand on était à l'intérieur, on voyait que le pare-brise avait une architecture un petit peu bizarre, un petit peu originale, puisque le pare-brise sur le haut, il reste pas droit, il fait une légère vague. Cette légère vague vient aussi donner sur la continuité de la clim, hein, comme je vous en ai parlé juste avant. Donc voilà pour le design de cette face avant. On a l'impression qu'il a un peu un crâne chauve. C'est assez rigolo, mais je trouve que c'est original et très très bien fait, très joli, pardon. Voilà. Et donc, alors là, il y a juste les feux d'urne qui servent aussi de feux de position qui sont éclairés. Je vais pas vous mettre les feux de croisement parce que ça va tout simplement un peu trop vous éblouir, puis ça sert à rien. Les feux de croisement se trouvent dans cette lentille-là. Donc je pense que c'est du xénon. Et juste au-dessus, on a les feux additionnels. Donc ce que je vous disais hier, c'est ce qui vous éclaire encore plus quand vous mettez les feux de route. Donc les feux additionnels qui se trouvent juste là. Et ensuite, cette espèce de flèche, de pointe, de V, ça dépend comment vous l'interprétez, qui se trouve ici, donc en LED, avec le feu de brouillard qui se trouve juste en dessous. Donc vous voyez que l'optique de phare est globalement même, je crois même que c'est exactement le même que sur les Volvo FH, etc. Donc tout ce qui est camion, poids lourd, etc. De la marque Volvo. La calandre avec le gros logo, hein, traditionnel Volvo, qui est toujours placé de cette manière-là sur tous les véhicules Volvo. Le logo Zoo. Ici, on a un bandeau noir qui lui fait une petite bouche et qui sert pour loger les radars, etc., qui se trouvent juste derrière. D'ailleurs, ces radars-là, je vais pouvoir vous les montrer puisqu'on a juste à soulever le capot avant. Et là, on voit plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, le radar se trouve là. Et ici, on a le remplissage de liquide de lave-glace. La roue de secours, vous la voyez, elle est juste placée ici. Donc voilà pour ce qui concerne ce petit capot qui se lève à l'avant. Je vais le refermer. Et donc voilà pour cette face avant. Alors je suis désolé encore une fois, c'est de nuit, c'est sûr, on voit moins bien que de jour. Mais bon, l'essentiel c'est que vous puissiez voir, vous faire une idée de quelle tronche a ce Volvo 9700. Les rétros, qui sont les mêmes, souvenez-vous, que le Temsa HD que je vous avais fait voir, c'est les mêmes que sur des VDL Futura et sur bien d'autres marques. Donc je pense que c'est des rétros génériques qui sont posés chez plusieurs constructeurs. Ensuite, bon, bah, la porte, hein, ici, comme je vous ai fait voir en début de vidéo. La deuxième trappe à carburant, et le carburant, on va s'y intéresser 2 minutes
parce que comme vous avez pu le lire, c'est écrit je roule au colza français, parce que oui, ce véhicule roule au colza, à l'huile de colza. Donc c'est son carburant principal, ça s'appelle l'Oléo 100. Donc c'est un véhicule qui est compatible avec plusieurs types de carburants. Bon, toujours dans ce genre de diesel. Donc on est compatible avec le B7, le B100 et le XTL. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le B100, donc Oléo 100. C'est une huile de colza, tout simplement. Bon, peut-être un peu modifiée quand même, mais ça a les mêmes propriétés visiblement que du gasoil. Mais le prix du colza est le même que le diesel, mais c'est plus vert. Et c'était dans le cahier des charges si on voulait conserver cette ligne. La ligne qui est donc organisée par la région sud. Une COP d'avance, dit-il. Donc voilà, c'est le slogan. Et donc ce véhicule peut vous expliquer qu'il roule au colza français. Ça fait une bonne pub verte pour la région et les autocars Zoo. La deuxième soute qui se trouve là. Ici, on a la soute qui sert pour l'aspect technique, les toilettes, etc. C'est ici que se trouve le réservoir d'eau, etc. Par contre, dans cette soute-là, c'est ici, dans ces vannes, qu'on fait le remplissage d'eau du réservoir pour le toilette et aussi pour l'évier, enfin le petit lavabo. Et puis ici on a cette petite soute chauffeur comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, qui loge ici l'aspirateur dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc l'aspirateur vient se brancher l'autre côté de cette paroi blanche qui donne tout simplement dans les escaliers, chose que je vous ai montré aussi hier, mais du coup pour vous tout à l'heure, voilà. Et puis ici on voit que le bac pour vider l'aspirateur se trouve juste en dessous. Et puis on a une dernière soute, bon, qui là va être un peu plus classique. Là c'est, enfin, un peu plus classique, un peu moins logeable on va dire, mais c'est surtout pour mettre du matériel. Ici on voit qu'il y a le tuyau d'aspirateur dans le carton, vous le voyez pas mais moi je le vois. Voilà, c'est tous des bidons d'eau, des bidons de produits pour mettre dans les toilettes, etc. Donc c'est cette petite soute. Et puis la face arrière qui est assez intéressante, avec du coup un petit trait de design, donc ici dans le feu, qui est dessiné dans le feu et qui vient courir, qui vient entourer la lunette arrière en haut, voilà, quand vous pouvez l'admirer ici. Et donc ce design de feu qui ressemble globalement à ce qu'on trouvait, enfin, notamment sur cette partie basse, parce que vous voyez qu'il y a ici un panel gap, mais en général ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on trouvait sur les anciennes générations du 9700. Mais je trouve que ce rajout vraiment vient bien finir ce feu, et en plus avec cette forme là, vous pouvez bien voir le relief avec cette forme. Je suis désolé pour l'avion qui décolle juste à côté, et oui, je suis à l'aéroport, donc voilà. Mais voilà, donc pour terminer sur ce feu, je trouve qu'il est très joli, avec des LED hein, sur le tour de ces cercles. Et puis c'est quelque chose qui reste allumé même de jour, ça sert de feu diurne également. Ensuite je repars sur la partie du haut, parce qu'on peut voir qu'il y a deux feux de gabarit, un vraiment sur le bord de la carrosserie, et puis encore un dans la vitre de chaque côté de la lunette arrière. Donc voilà, les feux de gabarit qui sont répartis donc à ces endroits là et puis un troisième feu stop qui se trouve tout en haut. Ensuite en dessous de la vitre on trouve le logo Volvo, et puis quand on descend encore sur le capot moteur, là cette fois-ci il est fermé, vous pouvez admirer les deux traits blancs qui sont entouré de noir brillant laqué, noir laqué brillant, enfin peu importe dans le sens que vous voulez. Et puis voilà, donc c'est je trouve quelque chose qui est assez joli, qui vient bien finir l'arrière de ce véhicule. Et puis voilà, donc toujours la petite pub, le petit remerciement aux autocars païens que vous pouvez contacter comme vous voulez pour faire des devis, pour faire des lignes. Bon, c'est nous qui organisons, enfin comment dire, qui assureront la ligne 26, donc Digne-les-Bains, aéroport Marseille-Provence, en passant par Manosque, ex-TGV, avec une correspondance, pour être le plus complet possible, une correspondance avec la ligne 29 qui fait Gap-Sisteron. Donc voilà pour l'arrière de ce véhicule. Terminons avec donc les roues, la jante, donc de la jante alu, et pour la taille on est sur du 295 80 R 22.5. donc voilà, c'est de la sacrée largeur. Voilà,
Ici, on est sur un essieu évidemment simple avec deux roues simples, et puis ici, on est sur un essieu jumelé. Et c'est là que la puissance du véhicule est donnée, puisque c'est un véhicule propulsion, bien évidemment. Et bien voilà, les amis, ça y est, on a enfin pu découvrir ce Volvo 9700. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin vous le partager. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, je peux y répondre. Après, évidemment, un autocar, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement d'aspects techniques, il y a tellement d'aspects, encore plus de choses que je pourrais vous raconter. Mais sur une vidéo qui dure 30-35 minutes, c'est assez compliqué de pouvoir tout retranscrire. Donc, je suis désolé pour ceux qui veulent encore plus de technicité. On me l'a reproché dans d'autres vidéos, mais bon, je peux pas, j'ai pas le choix. Et vraiment, un car, la base des RFJ, c'est vraiment de montrer ce qu'on voit autour de nous. Donc, un car, il y a tellement de choses à dire. Donc, voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, sinon, sur le site Volvo, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aller voir les options, etc., qui sont possibles sur ce véhicule. Sinon, il y a d'autres sites qui peuvent vous renseigner. Et puis, je vous ferai, je pense, parce que maintenant, ça y est, j'ai fini les présentations des véhicules sur lesquels je roule. Donc, on a fait Iveco Magellis, on a fait Temsa HD, on a fait Vanol TX Altano, TX21 Altano d'ailleurs. Et là, on a fait Volvo 9700. Normalement, pour l'instant, il devrait plus y avoir de présentation de véhicules, sauf si c'est des véhicules dont j'ai pas l'habitude de rouler. Normalement, je roule pas dessus. Mais si j'ai l'occasion de pouvoir vous montrer d'autres véhicules type Irisbus, Crossway, etc., je le ferai avec grand plaisir. Mais c'est des véhicules que je touche jamais, ou quand je les touche pour 10 minutes. Donc, j'ai pas le temps de vous faire une belle vidéo dessus. Donc, pour combler ce manque de présentation, peut-être que je vais vous faire des vidéos qui sont un peu plus techniques, où je me concentrerai sur un aspect bien précis du véhicule ou même du métier. Je vous ferai peut-être voir une journée du métier ou quoi. Je vais réfléchir comment je peux m'organiser pour faire ça. Donc ça, c'est sur les prochaines vidéos autocar qu'il y aura sur la chaîne. D'ici là, René et moi, on travaille sur des dossiers qui devraient rendre la chaîne encore plus attractive, encore plus intéressante. Donc faites-nous confiance, continuez de nous suivre. D'ailleurs, pour nous suivre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est le plus important des trois. Vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook RFLJ Auto Collection, sur la page Instagram RFLJ Auto Collection, et puis sur le groupe. Le groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, le groupe RFLJ Club Auto 04, qui est un groupe ouvert à tout le monde. Et c'est ce groupe, c'est sur ce groupe qu'on nous organisons des balades, des rassos, et on parle de bagnole toute l'année aussi. On échange entre nous, entre passionnés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, portez-vous bien. Et puis d'ici là, ciao, ciao!